Salut Yancy. Et nous retrouvons pour l'épisode 2 sur Spyro the Dragon. Donc j'ai plutôt eu de bons retours sur la première vidéo, alors je suis assez contente. Néanmoins, on m'a dit que ma voix était trop basse par rapport au son du jeu, et c'est vrai. Donc là j'ai arrangé ça normalement. Et je suis vraiment désolée, j'avais fait des tests pourtant, mais en fait je vous cacherai pas que j'ai eu tellement de problèmes pour configurer le micro, pour configurer le casque, pour la vidéo, que en fait dès que tout a marché j'étais trop contente et j'ai pas trop fait attention à ça, mais ça ne se reproduira plus, je vous rassure. Alors déjà on m'a dit qu'il y avait un coffre à gauche là-bas. Ah, ça commence à faire. Qu'il y avait un coffre, mais il faut que je fasse attention de ne pas tomber. Donc en effet vous voyez il y a des petites étincelles, alors c'est-à-dire qu'on peut descendre et que ça nous ramènera en haut. Bon, si j'arrive à descendre déjà dans un premier temps. Ouais, c'était ici. Je vais tout doucement parce que voilà, il y avait de l'eau en dessous, j'avais peur de nager. Hop. Et donc normalement ici on m'a dit qu'il y aurait une clé. Et voilà. Voilà. Exactement. Nickel. Ah, il y a même pas une petite cinématique. Tu veux faire comme les clés de Passepartout? Mais non. Non, mais je sais pas, ils auraient pu faire une petite musique de récompense ou une petite animation rapide là vite fait. Je sais pas. Bref, je crois qu'on n'avait pas tout fait, je vais refaire un petit tour et apparemment ce sera ici qu'il faudra qu'on revienne pour se téléporter dans l'autre monde. Donc c'est parti. Donc vous voyez que les ennemis respawnent, mais contrairement au début, ils donnent plus des joyaux, ils donnent des petites boules. C'est pas par ici. Non, je crois que c'était dans là où t'étais, il y avait une sorte de puits. Ah, attends, j'ai une nouvelle étincelle. Oui, oui c'est ça, j'ai un petit puits que j'ai raté, je sais. Ah, c'est pas possible, mais bon, ça va quand même un petit peu mieux. Où ça? Ah, en effet. Allons-y. Voilà, et donc, il y a une statue de dragon et le coffre. Et donc, la clé qu'on avait ramassée tout à l'heure va nous permettre de. Je sais plus du tout à quoi ça sert d'ailleurs. Juste des jeux. Sérieux, c'est juste pour ça, non mais. Je sais pas, je vais attendre derrière. Alors, y'a là. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa force. Il faut qu'elle mange des papillons pour rester forte, comme moi. Ah, ok. Nuit. Bon, Spyro a toujours l'air vraiment passionné par les dialogues. C'est... Il est un petit peu insolent quand même. Donc j'aimerais retourner en haut aussi, parce que je crois que j'ai oublié des joyaux. Non, c'est pas c'était de ce côté. Pas de ce côté. Une chance sur deux, c'est dommage. Allez, c'est parti. Hop, petite fin de ce côté, nickel. Et autour là-bas, il y avait des joyaux que j'avais pas pris parce que j'étais trop occupée pour courser le machin tout pourri là. Le jeton de Phégyptien. Le jeton de Phégyptien. Hop, donc voilà. Et bien, petite chance, je pense qu'il doit y en avoir 200. Que j'arrive à tous les choper, hein, je sais pas, et puis j'ai pas envie de passer 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois à tourner un peu partout pour essayer de les trouver, ça va pas être très passionnant pour vous, alors je préfère éviter. Mais en plus c'est super grand là, sur le ouais, bon, toi je m'en fous, je t'ai déjà tué une fois. Si tu m'as déjà assez saoulé, j'ai pas envie de recommencer, sachant qu'il y en a un par monde, donc ça fera un moment de rage extrême par monde à chaque fois. Je pense que ce sera largement suffisant. Ah. Ah voilà. Hop. Je savais même pas que c'était possible. Eh bien, moi oui. Tranquille. Oh purée, il va m'en manquer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même retourner dans le monde de base là et attaquer un nouveau niveau. Si je trouve le chemin. Tu ne veux pas parler. Et c'est pas le. Ah si, c'est le nom. C'est pas. Si, c'est le nom de base. Oui, oui, oui. Alors, droite ou gauche? Pour retourner dans le monde de base, c'est là et après l'autre, je sais pas où ça mène. Je sais même pas si tu es déjà allé. Magnifique. Tu crois? Oh, pire. Oh, non, tu m'as mis le doute là. Non, mais je pense que c'est bon quand même. Pourquoi 46? Ah. Ok, donc c'est fini pour la colline de pierre, même si j'ai pas tout mis les joyaux. Il y en avait un autre monde dans le labyrinthe, je crois.
toujours en train de donner ton avis, hein. C'est impressionnant quand même. Bah, c'est ça qui m'a dit de parler. Ah, c'est, j'adore la musique. Ouais, c'est sympa. Ah, alors voilà. Je me dis pourquoi. Ça commence à être un peu compliqué. Donc maintenant, pour avoir des vues, il va falloir tuer cette espèce de crapaud dégueulasse. Ils ont une sale gueule. Et eux, il faut les charger parce que sinon, ils sont déjà en train de chier. Ok. Tu fais des petits problèmes avec ma caméra. C'est bon. Oulala, oulala, il y a un gros problème. le truc qui traverse tout. Ah, donc il va falloir qu'on trouve une clé une fois de plus. On a essayé d'être sur les monstres. Oulala, c'est un peu plus gros que d'habitude là. Ok, alors tu m'as aussi bien chargé. Oh, mais ça va, ils sont easy. Bah, alors pour qu'il y ait en bois donc. Oh, c'est toi. Je ne pensais pas que tu échapperas à ces vilaines bestioles. Moi, je ne les crains pas, car l'armure de métal protège du feu, mais ces créatures sont plus vulnérables si tu leur fonces dessus. Ils sont quand même géniaux, hein. Ils nous donnent les conseils, mais après. C'est... Oh, tu as le boss, mais tu sais qu'il fallait faire ça. Merci. Ah oh, mais c'est pas possible. En plus elle est pas en forme. Oula. C'est pas possible. Bert, je crois qu'à fond on a plus qu'une vie avant. Peut-être que je vais allumer les petites torches. Enfin, les petits feux de camp plutôt. Oula, mais c'est la fiesta du monde, c'est ce que... Là j'essaie d'aller sur le côté là-bas. En fait, je m'y attendais pas comme. J'ai du mal à déplacer la caméra. Ben, j'arrive pas. Fait que je plane. Donc là, j'ai vu. Hop. J'imagine qu'on va y aller direct en face. Oh là, cette caméra, elle me casse le pied, je vous jure. Bon, ok, tant pis. Ça me saoule. On fait la version longue. Voilà. En ce qui concerne. Donc là, je refais sur Spyro parce que j'ai toujours pas réglé le problème avec mon émulateur. Je me demandais si en deuxième série je pourrais pas sur. Comment ça s'appelle déjà? Harry Potter, le 2, me semble-t-il, qui était aussi sur PlayStation 1 et auquel j'avais aussi un tout petit peu joué quand j'étais petite, mais franchement, je suis pas allée loin du tout parce que. Enfin, sur PS1, tous mes disques étaient joués. C'était vraiment. En fait, j'avais récupéré cette console de mon père, il était pas très soigneux. Et du coup. Les disques étaient totalement morts, quoi. Tu ne peux pas charger des ennemis comme ce Niorc à bâton, mais je pense qu'un jet de flamme suffira à les détruire. Mais ça, j'en ai déjà buté 5! 10! Enfin, 4 ou 5, et le mec, mais 4 ans plus tard, il m'explique le truc, quoi. C'est vraiment inutile. Oh, c'était l'ennemi le plus inutile du monde. Il s'est pris pour le bannir dans Zelda. Ah, ouais, c'est vrai. Un petit peu de ça. Avec un air punier quand même, hein, parce que le banni ouais. L'impressionne un petit peu plus quand tu veux. Un gros ver de terre. Ouais. Fait une grosse larve. En plus, ils l'ont fait de façon cartoon. Ouais, bah, en même temps, c'est la version de l'étonne aussi. Ah, c'était la sortie, mais évidemment. Bon, j'ai vraiment pas de chance, hein. Moi, je commence toujours par le mauvais côté. Je sais pas, ils pourraient mettre des flèches ou quelque chose, hein. J'espère qu'on puisse aller dans le sens inverse. C'est trop ça. J'ai tellement l'esprit de contradiction, de toute façon, je serais allé dans le sens. Ok, donc on va descendre par ce petit endroit bien sympa. Il me semble que là il y a plusieurs ennemis qui m'attendent. Si ma caméra. Wow! Ah, j'imagine que le dragon qui nous explique comment le tuer derrière. C'est ça l'idée, je crois. Faut dans son dos. Ah. Oh, mais. Ah, je vous jure, il me donne des coups avec son ventre, c'est vraiment dégueulasse quoi. Non, c'est feu de quand t'es derrière. C'est bon. Je vois pas pourquoi un coup de corne ça l'aurait pas calmé là, de toute façon. Parce qu'il est. Il a trop plein de épée. C'est ça? Ouais. Donc c'est ça la morale du jeu, faut être bon, ça protège. Bon allez vas-y tourne-toi, j'ai pas envie de passer 4 ans là. Oh il me saoule, c'est bon. Je reviendrai plus tard. Faut que t'attendes qu'il tourne là. Ouais mais ouais, c'est bon, j'ai pas 5 minutes à perdre. Au pire tu avances un peu, tu trouveras un dragon. Hein. Oui.
Oh, je t'ai eu par surprise. Bon, ce truc, je voulais bien pivoter. Merci. Hop, mais monte. Vas-y, feu. Feu. T'as vu qu'on balançait des bloqués à nous, bien. Ouais, j'ai trop joué à Monster Hunter. Allez, t'es une plateforme. Donc oui, j'ai pas précisé, mais Spyro, c'est surtout de la plateforme. Ah, okay. La plateforme, en fait, il se trouve que c'est pas mon truc. Mais étonnamment, j'aime bien Spyro. Je sais pas, c'est l'univers, c'est mignon, puis c'est le fait de sauver les dragons des frissons. En fait, là, je vois le suspense de savoir quelle tête il va avoir et... C'est que... Ça me passionne. Ouais, c'est sexy, ils ont tous la même gueule. Oh non ! Je suis tombée comme une lâche, là. Ah, dommage. En effet, dommage. Hop ! Non ! Ouf. Ok. Bon, on se concentre. Allez, c'est parti. Nickel. Prends le joyau, vas-y. Alors oui, au fait, tu dois attendre qu'ils se retournent pour pouvoir leur cracher du feu à la gueule. Spyro, tu veux un secret? Utilise la touche triangle lorsque tu veux te rapprocher ou faire un tour d'horizon. Ah, merci pour le tuyau. Ah, vous savez pas ça. Oh, pour une fois, ils sont utiles. Oh. Ah ouais, génial. Ok, au top. Donc, ce que je veux dire aussi, alors, donc, comme vous voyez... Étincelle, je vais l'appeler Smart. Étincelle, elle ramasse les joyaux, ce qui fait que quand elle est morte, on doit ramasser les joyaux tout seul et c'est vachement plus fatigant. Parce que là, elle, même si on n'est pas à côté, à la rigueur, elle est gobe, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux la suivre. Regardez. Elle se débrouille un peu toute seule. Alors, on est allé en haut, on est allé sur le côté. Ah bah maintenant t'as la clé, tu devrais pouvoir avoir le coffre. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, si j'arrive à monter sur cette plateforme de super. Donc voilà, pour en revenir là où je disais, enfin, à ce que je disais tout à l'heure, c'est vous me dites pour Harry Potter si ça vous intéresse ou non. Parce que voilà, je pense que c'était plutôt une bonne idée. Ah, 100 sur 100. C'est fini? Bah t'as fini ce niveau. Mais c'était rapide. C'était pas par là, c'est ça? Si, si, c'est par là. C'est que d'elle. Si, si, regarde. C'est un point de sauvegarde, Nenon. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai refait une vidéo avec Shadow26, tout simplement, déjà dans un premier temps, parce que. Comme c'est mon frère, c'est plus pratique de l'inviter lui parce qu'il est à côté. Mais surtout parce qu'en fait, il va partir en vacances et donc je profite un peu de sa présence. Il sort de faire du contenu. Tourner avec lui, voilà, exactement. Bah, on aura fini demain. En plus, celui-là, on l'a fait à 100%, c'est pas mal. En même temps, il était vachement facile. Hein. Je suis limite déçue un peu. Franchement. Bon, du coup, tu peux quitter le monde des artisans. Mais tu fais. Ils avaient dit tu dois sauver 10 dragons. Et t'en as sauvé 9, donc c'est bon. Ah, c'est vrai, t'as raison. Bon, alors là. Ah, il y a déjà eu qu'on avait pas pris la dernière fois. Donc là, on a fait toute la partie que je connais. Et maintenant, on attaque la partie que je connais pas. Ça va être compliqué. Mais tu te rappelles, il y avait un endroit aussi derrière. Ou apparemment c'est de la neige, je sais pas quoi. Attends. Ah oui! Non! Mais c'est pas vrai! Oui, ça m'avait étonné que tu l'avais pas fait. Bon, j'ai rien. Non, bah y'a tourné, puis après on s'est pas la place. Je vais. Je désolé, vraiment là. Donc tu prends le coup, comme précédemment. Déjà, mais j'ai allé au chou. Mais si, ça avait des nages, quoi. Ça. Ouais. Là, je commence. On va prendre une charme. Là, y'a un petit peu de place. Là, je suis pas rentré dans le tube. Franchement, tu regardes. Est-ce que la vue là? Vous voyez, ça a tout de la tête. Et une fois que le tour est fait rentrer, j'ai l'impression qu'il me donne ça. Encore. Oh, allez, non. Ah, je suis pas sûr. C'est pas possible, je vois pas. Si là, tu me dis une tombe. Non, en fait, je suis là, mais j'ai simplement. J'ai vu les stylos. Calme. Oh, ça me. Oh, ça me tigre, putain. Hop, c'est bon. Stop. Non, tu es. Non, non. Tu es là. Tu peux y aller, mon plat. Je suis signée. Ça change plus tout à l'heure, sinon on va fermer la petite rigueur. Des relations de l'air. Je vais être plus que je m'en. Je le joue tout à l'heure. Parce que là, c'est une avance que tu fais. Bon, bah, quand c'est très bien, parce que c'est là où il y a des poulets gros. Si tu m'as vu, des poulets gros. Ouais. C'est une petite. J'y crois fortement. Bah, on va faire du coréen. Tap. Ok. Là, je vais vous faire. Enfin, du. C'est un petit peu. J'ai une petite. Et donc, on va se faire. On peut pas. On a une chapelle, il faut la faire. Mais en fait, tu vois, on va passer. Ah, il y a le. Au fond, il y en a un autre. Oui, c'est Nice.
Bienvenue à Timesware Pro. Explore les urbains de la zone des poros. Utilise les touches L2 et R2 pour avoir une mieux vue. Il est en train d'expliquer comment utiliser la caméra. 12. Au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais que c'est normal quoi. Bon, bref, on va sauvegarder et on va se laisser là et on se retrouve pour le troisième épisode en espérant que ça soit tout correctement et que ça va vous plaire. Donc voilà, dites-moi pour l'idée d'Harry Potter, dites-moi si vous avez des idées pour un autre jeu. Et dites-moi si ça vous a plu, et si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez.